Bonsoir les batailleurs. Bonsoir. Bonsoir les soldats. Bonsoir. Bonsoir les soldats prêts. Bonsoir. Bonsoir les hommes qui ont déjà arrangé les armes. Bonsoir. Bonsoir les guerriers. Bonsoir. Bonsoir les soldats. Bonsoir. J'espère que nous sommes prêts. Amen. Quelqu'un me donne un cantique là. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Assurance en Jésus. Alléluia. L'assurance en Jésus. Alléluia. L'assurance en Jésus. Alléluia. L'assurance en Jésus. Amen. Alléluia. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Amen. Alléluia. Succès en Jésus. Alléluia. Succès en Jésus. Alléluia. Succès en Jésus. Alléluia. Succès en Jésus. Amen. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Oh. Puissance en Jésus. Amen. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Oh. Cameroun en Jésus. Amen. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Yaoundé en Jésus. Alléluia. Yaoundé en Jésus. Alléluia. Yaoundé en Jésus. Alléluia. Yaoundé en Jésus. Amen. Alléluia. Yaoundé en Jésus. Amen. Amen. Yaoundé en Jésus. Amen. Oh. Étudie en Jésus. Alléluia. Étudie en Jésus. Alléluia. Étudie en Jésus. Alléluia. Étudie en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Palais de justice. Alléluia. Palais
palais de justice. Alléluia. Palais de justice. Alléluia. Palais de justice. Amen. Alléluia. Maison blanche en Jésus. 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 Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maison blanche en Jésus. Amen. Amen. Maison blanche en Jésus. Amen. Douala en Jésus. Alléluia. Douala en Jésus. Alléluia. Douala en Jésus. Alléluia. Douala en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nord-Ouest en Jésus. Alléluia. Nord-Ouest en Jésus. Alléluia. Nord-Ouest en Jésus. Alléluia. Nord-Ouest en Jésus. Amen. Alléluia. Nord-Ouest en Jésus. Amen. Amen. Les trônes en Jésus. Alléluia. Les trônes en Jésus. Alléluia. Les trônes en Jésus. Alléluia. Les trônes en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 En Jésus. Alléluia. Le haut lieu en Jésus. Alléluia. Le haut lieu en Jésus. Alléluia. Le haut lieu en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Justice en Jésus. Alléluia. Justice en Jésus. Alléluia. Justice en Jésus. Alléluia. Justice en Jésus. Amen. Alléluia. Justice en Jésus. Amen. Amen. Justice en Jésus. Amen. Justice en Jésus. Amen. Amen. Justice en Jésus. Amen. Sud-Ouest en Jésus. Alléluia. Sud-Ouest en Jésus. Alléluia. Sud-Ouest en Jésus. Alléluia. Sud-Ouest en Jésus. Amen. Alléluia. Sud-Ouest en Jésus. Amen. Amen. Sud-Ouest en Jésus. Amen. Oh. Sud-Ouest en Jésus. Amen. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Oh. Amen. 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 Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Cameroun appartient au Seigneur Jésus. Amen. Jésus aime le Cameroun. Et le Cameroun l'appartient. Amen. Et comme le Cameroun l'appartient, nous sommes là pour batailler, pour enlever tout ce que l'ennemi a planté sur la terre du Cameroun. Amen.
Alléluia. Amen. On est là pour enlever cela. Sur la pluie du Très-Haut, on est là pour enlever cela. Ça doit Amen. Quitter sur le Cameroun. On doit voir la justice du Seigneur régner au Cameroun. On doit voir les gens qui sont au Cameroun avec plein d'amour pour le Seigneur. Amen. On veut voir le nom du Seigneur écrit partout sur le Cameroun. Alléluia. On veut voir toutes les 10 régions du Cameroun honorer le Seigneur. Glorifier le Seigneur. Amen. Toutes les 10 régions. Amen. Alléluia. Amen. Que partout au Cameroun, on parle du Seigneur Jésus. Amen. Partout au Cameroun, on parle du Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons voir cela. Nous voulons voir cela à l'existence. Alléluia. Amen. Nous voulons palper cela. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, ce soir. Amen. Parce qu'on veut palper. On veut voir cela à l'œuvre. Alléluia. Amen. Que dans les bureaux, on parle du Seigneur Jésus. Amen. Dans les marchés, on parle du Seigneur Jésus. Amen. Partout, on parle du Seigneur Jésus. On voit l'existence du Seigneur Jésus au Cameroun. Alléluia. Amen. On veut voir cela palper. Palper. Que l'injustice soit hors de cette nation. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Amen. On a limé nos âmes pour mettre cela hors. Amen. Alléluia. Amen. On a limé nos âmes pour mettre cela hors. Il faut que ça quitte. L'injustice quitte dans cette nation. Amen. Le Cameroun est béni par le Seigneur. Amen. La terre du Cameroun est bénie par le Seigneur. Amen. Nous voulons que les enfants de cette nation entre dans la bénédiction que le Seigneur a mis dans cette nation. Amen. Alléluia. Amen. On veut voir cela. Que les enfants soient heureux. Les enfants de cette nation soient heureux. Que oui, je suis fier d'être Camerounais. Amen. Je suis fier d'être Camerounais. Amen. Je suis fier. On veut voir cela. On veut voir cela. On veut cela. À chaque fois, le Seigneur nous dit ici que les Blancs vont venir chercher le travail ici. Mais quand on regarde, quand tu entends et tu regardes dehors, tu dis que rendez-vous dans 3000 ans, non? Tu dis rendez-vous dans 3000 ans, mais c'est là devant nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est là devant nous. Mais comme on dit souvent qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs, nous sommes là pour qu'on ne casse pas les œufs. Alléluia. Nous sommes là pour ça. On ne casse pas tout. Oui. Pourquoi on ne casse pas? Si ils avaient prévu qu'ils devaient casser 10 œufs. Et s'ils cassent un, ça veut dire qu'on n'a pas cassé. C'est pas ça. C'est ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cassé. Parce que dans leur plan, ils veulent mettre le chaos. Mais nous, on dit non au chaos. Amen. On dit non à cela. Amen. Oui. On dit non à cela. Il faut que ça soit moins. Moins. Plus bas. Plus bas. 0,000%. Oui. Oui, c'est pour ça que nous sommes là. Parce que si nous nous dormons, on va voir le Cameroun inondé du sang. Mais nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas être immergés dans le sang. Nous ne voulons pas que les bénédictions soient tachetées du sang. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. C'est pour ça que nous sommes là. Pour dire non à cela. Non à leur plan diabolique. Non à leur réunion diabolique. Non à tout ce qu'ils sont en train de planifier dans le monde de ténèbres pour verser au Cameroun. On dit non à cela. Nous sommes là pour caler cela pour que ça n'arrive pas. Amen. Nous sommes là pour caler. Les réunions qu'ils sont en train de vouloir faire, avant qu'ils ne fassent les réunions, on a déjà planifié tout. Nous, on est déjà là, on a déjà mis les garde-fous partout, partout. Amen. Quand ils se lèvent maintenant pour faire la réunion, on leur dit déjà que non, c'est déjà faux parce que ceux qui ont déjà mis les garde-fous. Alléluia. Amen. Et quand nous mettons déjà les garde-fous, nous sommes sûrs à 10 000% que nos garde-fous sont déjà bien placés. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes là avec l'appui du Très-Haut. Nous sommes là avec l'appui du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes là avec l'appui du Seigneur Jésus. Il est là avec nous pour batailler avec nous. Et si nous bataillons avec le Seigneur Jésus, on a déjà gagné la bataille. Amen. Alléluia. Amen. On a déjà gagné la bataille. On a déjà gagné la bataille. Et si nous avons gagné la bataille, ça veut dire qu'on lance seulement les cris de joie. Amen. Que qu'en soit ce qui va se passer, on lance seulement les cris de joie parce qu'on a déjà gagné la bataille. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Nous sommes là pour ça. Et il faut que nous voyons le succès.
Alléluia. Amen. Il faut que nous voyons le succès. Le Seigneur a dit qu'aucun de nous ne tombera. On va voir cela venir. Amen. Alléluia. On va voir cela. Donc on va voir comment un blanc vient demander le visa camerounais. On lui refuse aussi. On dit que non, patiente aussi un peu. Oui, attends d'abord. On va te donner ça demain. Attends d'abord, on va te donner ça demain. C'est ce qu'ils nous font, non? Hein? On dit que non, attends, on te donne ça demain. Comme eux, ils nous renvoient même parfois, même un mois là. Nous, on lui rend, on lui donne seulement une journée. Pour qu'ils comprennent aussi comment. Quand eux, ils nous renvoyaient, ça nous faisait non. On lui dit que non, pas, tu reviens chercher ça demain. Et quand il revient, il vient chercher le travail. Mais il va venir, il trouve papa Tani assis au bureau. Il vient dire, grand, pardon, je voulais le travail. Papa t'a indiqué où est ton CV. Apporte-moi ton CV. C'est ça, non? C'est ça. Oui. Un blanc vient trouver Papa Tani au bureau pour chercher le travail. Et il finit, il vient encore voir Papa Tani pour que Papa Tani lui donne le salaire. Pour qu'il lui donne le salaire. Ça arrive. C'est là. Quand nous regardons, c'est un peu comme si c'était un jeu d'enfant. C'est comme si c'était un rêve. Oui, c'est un rêve, ça va venir à l'existence. Amen. Et c'est tout droit devant nous. Alléluia. Amen. C'est tout droit devant nous. Le grand-père avait dit émergence en 2035. Nous, Église, on dit émergence en 2025. Amen. C'est ça, non? Amen. Amen. C'est pas ça. C'est ça. Lui, il avait dit émergence en 2030. Église dit en 2020. Amen. C'est ça. Moins de 10 ans. On ne doit pas marcher selon son plan. C'est lui qui doit marcher selon notre plan. Alléluia. Parce que c'est l'Église qui détient la nation. C'est l'Église qui prend les décisions. Il peut finir de signer le décret. L'Église se lève que le décret, on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir ça, on annule. Lui-même, il ne s'en rend même pas compte comment lui-même, il se lève pour annuler cela. Il va se dire que non, c'est parce que j'ai dormi et que ça a tourné. J'ai vu que non. Sans connaître qu'il y a les gens dans le secret qui ont dit non à cela. Et nous sommes là pour ça. Nous voulons voir l'émergence en 2025. C'est pour ça que nous sommes là. Et leur plan, là, on annule tout cela. On met cela de côté. Ils doivent marcher sur l'agenda du Seigneur Jésus. L'agenda que le Seigneur avait planifié pour le Cameroun, on doit marcher dedans. Le Cameroun doit marcher dans l'agenda du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour que le Cameroun marche dans l'agenda du Seigneur. Le Seigneur a établi un agenda pour le Cameroun. Et nous voulons marcher là-dedans. Ils ont tant pillé, écrasé cela. Mais aujourd'hui, nous disons non à cela. Nous disons non à cela. Non à cela. Nous disons non à cela. Nous voulons voir les gens qui partent au marché, au travail, déposent les valises, déposent les sacs, déposent ceci, rendent grâce au Seigneur avant de continuer. Alléluia. Nous voulons voir cela. Amen. Nous voulons voir cela au Cameroun. Nous voulons voir cela. Voir les gens qui prient sans réfléchir. Amen. Qui disent je sais le Seigneur Jésus sans regarder gauche, droite. Amen. Nous voulons voir cela au Cameroun. Amen. Que tu dis à tête haute que j'appartiens au Seigneur Amen. Jésus. Amen. Que tu dis à tête haute. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis à tête haute. Parce que quand tu dis, de nos jours, quand tu dis que tu appartiens au Seigneur Jésus, on commence à dire que non, lui là, il est en train de... Il faut qu'on voit l'existence du Seigneur Jésus au Cameroun. Amen. On dit, lui, effectivement, il existe. Amen. Alléluia. Par nous, on va voir cela. Il faut que nous soyons unis comme un seul homme. Amen. Pour batailler. Alléluia. Amen. Pour réclamer ce qui est de notre droit. C'est de notre droit de vivre dans le bonheur au Cameroun. C'est de notre droit. Nous sommes là, les fils et les filles d'héritiers, nous devons hériter cela. Mais nous sommes là, un locataire te regarde comme ça, il dit que si tu ne veux pas payer, sors de chez moi. Mais il oublie que peut-être demain on peut arriver, que la parcelle-là t'appartient. Tu dis locataire, tu dis bailleur, on fait comment? Et tu te dis que bailleur, on fait comment? C'est maintenant moi le bailleur. Tu fais comment? Les choses ont changé, non? C'est ça. C'est ça, nous voulons voir cela. Que ça change. Alléluia. Que ça change. On veut voir cela à l'existence. Que tu te tiens comme ça. Tu dis, oui, je suis Camerounais. On te cède la place que oui, voici les hommes bénis.
Voici les gens bénis. On vient te supplier que pardon, prends le visa pour entrer dans notre pays. Parce qu'on sait que peut-être tu peux entrer là-bas, les bénédictions te suivent là-bas. Alléluia. Amen. On te dit que non, pardon, prends le visa ici. Viens dans notre pays. En sachant qu'en venant, les bénédictions peuvent te suivre là-bas. Le Cameroun est béni. Amen. Et si tu es fils, fille du Cameroun, tu es béni. Amen. Alléluia. Partout où tu poses les pieds, l'endroit là est béni. Amen. À plus forte raison, tu appartiens au Seigneur Jésus. À plus forte raison, le ciel a les regards sur toi. Débranchez, vous envoyez à la cuisine. Si le propriétaire n'est pas là. On ne doit pas avoir de distraction quand on est au champ de bataille. On ne doit pas avoir de distraction quand on est au champ de bataille. Au champ de bataille, on ne doit pas avoir la distraction. Voilà le pourquoi quand les soldats, on forme les soldats de telle sorte, quand il est couché à quelque part, même si c'est le serpent qui entre dans son pantalon, il ne bouge pas. Oui, il ne bouge pas. Parce que tu ne dois pas avoir quelque chose qui doit te distraire. C'est pour ça que tu regardes bien les pantalons des soldats, il y a l'élastique ici en bas. C'est pour sceller. Oui. C'est pour que rien ne te distrait. Quand il est couché là, il ne faut pas qu'il fasse comme ça. Parce qu'il peut faire comme ça. Que l'ennemi était en train de regarder comme ça, on voit qu'il fait comme ça, on l'abat une fois. Et pourtant, c'est lui qui a montré que me voici ici. Même si c'est les fourmis maniants qui montent sur lui, il reste net. Que lui, fais ta part, tu pars. Tu ne dois pas venir ici me distraire. Alléluia. Amen. Nous devons être comme ça. Leur part, c'est la bataille physique. Alléluia. Notre part, c'est spirituel. Ça veut dire que tu peux rester comme ça, tu entends seulement une paire de gifles, tu ne sais pas de quel côté ça sort. Même si tu entends le père des gifles dire que c'est pour me fortifier, c'est pour me fortifier. Que oui, viens davantage me fortifier. C'est ça. Nous sommes les soldats. Et pas n'importe quel soldat. Pas n'importe quel soldat. Pas n'importe quel soldat. Notre chef, notre commandant, c'est celui qui voit au-delà de ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Il voit au-delà de ce que nous voyons. Et comme il voit au-delà de ce que nous voyons, ça veut dire que quand nous bataillons, il regarde. Il dit non, recule-toi de ce côté-ci parce que l'ennemi est en train de se préparer pour venir ici. Tourne-toi pas comme ça. Pendant que l'ennemi est en train de chercher pour dire que non, je vais me cacher comme ça. On lui a déjà montré, on t'a déjà montré comment tu dois te tenir pour la barre. Là où il vient pour se cacher, c'est là-bas que tu dors. Tu la barres une fois que tu quittes les problèmes. Alléluia. Amen. Tu la barres une fois que tu quittes les problèmes. Quand nous regardons Gédéon, quand le Seigneur dit va avec la force que tu as, délivre mon peuple. Gédéon savait que non, moi je n'ai rien. Moi je veux faire comment pour battre les gens qui sont forts comme ça. Mais le Seigneur pour lui montrer que non, tu ne pars pas seul, tu n'es pas seul. Il est allé avec combien de soldats? 300 soldats. 300 soldats. Il a eu la victoire, oui ou non? Il a eu plus que la victoire. Avec 300 soldats, imagine tu pars avec 300 soldats peut-être sur 10 000 personnes. C'est pour faire quoi? Tu pars avec 300, c'est pour que les 10 000 t'encerclent une fois, 300 hommes t'envalent qui tuent les problèmes. Mais il allait avec 300, il a gagné la bataille. Parce qu'il était avec le Seigneur. Le Seigneur était avec lui pour l'accompagner. Pour lui montrer que non, combattre comme ça, combattre comme ça. Gère comme ça. Gère comme ça. C'est ça. C'est comme ça avec nous. Alléluia. Amen. C'est comme ça avec nous. Quand nous nous mettons ici pour détruire les réunions qu'ils vont faire, les réunions sataniques qu'ils vont faire sur le Cameroun, et ils sont étonnés que, mais ceux-ci, ils ont fait comment pour connaître qu'on a un projet pour faire la réunion.
Pendant qu'eux pensent cela dans leur cœur, notre Père vient nous dire qu'ils sont en train de vouloir faire ceci. On met directement les garde-fous. Le temps qu'eux se lèvent pour dire qu'on veut faire, on leur dit déjà que stop, parce qu'on a déjà bloqué. C'est pour ça que nous, les combattants, on doit toujours avoir l'avance sur eux. Avant qu'eux ne se lèvent, que nous sommes déjà debout. Avant qu'ils ne se cachent que toi, ils viennent seulement se cacher devant toi. Tu la bats une fois, tu quittes les problèmes. Alléluia. Bonsoir, soldats. Bonsoir. Nous sommes prêts pour la bataille. Amen. Nous sommes prêts pour la bataille, non? Amen. Prêt. Il y a un cantique que Papa Tanya aime bien chanter, 204. C'est le cantique des soldats. Vous savez que si un soldat part en guerre, il dort. Il peut se réveiller dans les filets, non? Vous savez? Il peut se réveiller dans les filets que lui ne connaît pas à quel moment on lui est capturé. Un soldat ne doit pas dormir. Un soldat ne doit pas dormir. J'ai vu une formation des soldats. Ils sont couchés comme ça, ils sont en train de dormir. Chacun a son arme sur lui. Mais leur capitaine en chef reste jusqu'aux heures tardives. Il passe au camp pour voir si on est en train de dormir vrai. Il passe, il tire ton arme pour voir si tu dois lâcher. Il passe, il tire. Si tu lâches, tu es puni. Parce que imagine que c'est l'ennemi qui tire comme ça, il tire ton âme, il retire. Il va vous abattre. Il va vous abattre. Mais tu vois un soldat en train de dormir, qui ronfle, mais tu tires l'âme, l'âme ne bouge pas. Ça veut dire que celui-ci là ne dort pas. Il est en train de ronfler pour dire qu'il est en train de ronfler. Celui-ci ne dort pas. Il dit, tu tires, ça ne bouge pas, mais il est en train de ronfler. C'est pour te dire que non, ce n'est pas comme ça. Il est prêt. Les soldats doivent toujours être prêts. Alléluia. Prêts. Pas qu'on dit à quelqu'un qu'allons en guerre. Il dit que non, attends d'abord. J'ai même oublié de laver mon âme. Attends d'abord, je ne vais pas laver. Il doit être toujours prêt. Si on dit que, gardez-vous, il est déjà prêt. Avec son âme, que c'est de quel côté? C'est à l'ouest ou c'est où? Alors on part de quel côté? Voilà un soldat qui est toujours prêt. Alléluia. Et si nous sommes prêts de cette façon-là, rien ne doit nous surprendre. L'ennemi ne peut pas nous surprendre. Alléluia. Il ne peut pas nous surprendre. Avant qu'il ne s'apprête pour dire que je veux surprendre les gens ici, on lui dit seulement que non, calme là-bas. Nous, on t'a vu depuis. Calme là-bas. Alléluia. 204. Debout, sainte, coyote. Ma soeur Elisabeth et Antoine Moussa, comme un vaillant soldat. Amen. Debout, sainte, coyote, soldat, Oh.
Pour le Seigneur. Alléluia. Nous partons en guerre étant déjà vainqueurs. Nous avons déjà la victoire. Amen. Donc nous partons combattre, on a déjà la victoire. Amen. Alléluia. Amen. On a déjà la victoire. C'est parce que si nous restons avec les bras croisés, l'ennemi, comme il est rusé, il peut nous surprendre. Sinon, on ne devait même plus aller en guerre. Alléluia. Amen. On ne devait plus aller en guerre. Mais il faut qu'on finisse jusqu'à sa dernière énergie. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous partons. Il faut que nous finissions jusqu'à sa dernière énergie. Que son dernier souffle qui veut toujours se montrer que non, il a encore un peu de souffle là. Il faut qu'on arrête ça. Amen. Alléluia. On coupe ça une fois. Que oui, il n'y a plus de souffle. Il n'a plus de souffle. Alléluia. Amen. Il n'a plus de souffle. Parce qu'il dit toujours que non, comme il a un peu de souffle là, il faut que... Non, non, il faut qu'on éteigne ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Pour arrêter ça. Son dernier souffle là, qui compte sur ça là. Il faut qu'on coupe ça une fois. Alléluia. Amen. On coupe ça une fois. Quand on va couper maintenant, on va voir maintenant sur quoi il va compter maintenant pour dire encore qu'il est debout. Alléluia. Amen. 191. Jusqu'à la mort, nous serons fidèles. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, comme nous sommes les soldats, quand on dit jusqu'à la mort, on sera fidèle, ça veut dire, même si la mort te prend en chemin, même ton cadavre va toujours combattre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si la mort te prend en chemin, ton cadavre va toujours combattre. C'est que nous sommes prêts. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà prêts. Que même si c'est la mort, le cadavre va continuer la suite. Amen. Alléluia. Amen. Le cadavre va continuer la suite. Alléluia. Amen. 191. Ma sœur Elisabeth. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre
Regardons le quatrième couplet. Le quatrième couplet. Le Seigneur connaît notre faiblesse. Il connaît que si il nous délaisse, non, on va tomber en chemin. Quand on va voir qu'on a coupé la tête de quelqu'un, tiens, on va dire que non, je passais seulement avant de m'arrêter ici. Alléluia. Amen. Il connaît cela. Il connaît que s'il dit que allez-y, il n'est pas avec nous. C'est que dès qu'on va voir l'ennemi comme ça, on va dire, les gens là, on ne peut pas. Voilà pourquoi le dernier couplet dit que son esprit nous garde, il nous anime. Parce que sans son esprit, on ne peut pas marquer deux pas. Sans son esprit, on ne peut pas marquer deux pas. Si tu fais l'effort de marquer un pas, deuxième pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sans son esprit. Voilà pourquoi il dit, je serai avec vous. Je suis avec vous, allons-y. Il est avec nous. Il regarde, il dit, allons de ce côté-ci. Tournez-vous comme ça. Voici comment vous devez vous tenir pour batailler. Voici comment vous devez faire pour batailler. Voici les tactiques que l'ennemi est en train de préparer derrière. Il voit cela. S'il n'est pas avec nous pour nous dire tout ceci, on lance la mission, tu sais que tu lances où? Tu peux tourner la mission au lieu de lancer au camp l'ennemi, tu tournes plutôt, tu lances dans ton camp. Parce que tu n'as pas de direction. Mais le Seigneur est là pour nous donner la direction. Alléluia. Amen. Il est là pour nous donner la direction. Il est là pour nous montrer comment on doit batailler.
Il est là pour nous montrer comment on doit batailler. Il est là pour nous montrer comment on doit poser les pieds. Parce que tous ces détails-là comptent. Et maintenant, s'il n'est pas avec nous, tu vas connaître comment que je dois me positionner comme ça pour tirer. Il faut qu'il soit avec nous pour nous montrer comment batailler. Alléluia. Voilà pourquoi le dernier couplet dit que son esprit nous guide. Ça nous guide que nous allons ici comme ça. Quand Moïse sortait le peuple de l'Égypte, son esprit les guidait. Il était devant eux pour les guider. Que marchons comme ça. S'ils passent par ici, ça veut dire qu'on doit passer par ici. S'ils passent même dans la maison de quelqu'un, ils sortent de l'autre. Ça veut dire que tout le peuple doit passer par là pour sortir. Parce qu'il est là entre les montrer le chemin. Mais imaginons-nous qu'il n'était pas là. Pour les montrer le chemin. Et ils devaient marcher comment? Ils devaient marcher comment? Il était là. Et il est avec nous pour la bataille. Amen. Alléluia. Amen. Il est notre Dieu. Il voit. Il nous dit que regardons, c'est pas ici. Là, c'est pas ici. C'est pas ici. Tiens-toi de ce côté-ci. Il est là pour nous guider. Alléluia. Et s'il est là pour nous guider, on doit seulement lancer les cris de joie parce qu'on est déjà vainqueur. Alléluia. On est déjà vainqueur. On a déjà vaincu. Qui peut combattre le Seigneur Jésus? Personne. Personne. Ça veut dire que si le Seigneur est de ton côté, non, tu vas encore craindre quoi? Rien. Ça veut dire que celui qui vient là, on ne peut pas le traverser. Il est devant toi, on ne peut pas le traverser. On ne peut pas. On ne peut pas. Voilà le pourquoi on doit toujours être en joie quand on part en bataille. Parce qu'il est avec nous. Amen. Et comme il est avec nous, on est en joie d'aller en bataille. Amen. Dieu est fier d'aller en bataille. Que oui, je pars en joie. Tu ne fais plus d'efforts. Tu pousses seulement l'ennemi comme ça et le doigt il tombe. Tu souffles, non, il tombe. Parce qu'il y a quelqu'un devant toi qui fait le travail plus que toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chantons alors un dernier cantique de joie. 182. C'est un cantique de joie, non? Un cantique de joie. De victoire, de triomphe, de triomphe. Après ça, nous entrons dans la bataille. Amen. On commence à batailler. On commence à, sur la tête. On nettoie jusqu'en bas. Amen. Alléluia. Amen. On commence sur la tête, on nettoie jusqu'en bas. Les petits tampions qui d'ici là, on balaye. On nettoie. On doit laisser la place propre pour le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. On doit laisser la place propre pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur ne doit pas se mélanger avec les airs. On doit tout arracher. Tout enlever. Tout enlever. Et fouiller même au plus profond de la terre pour chercher les dernières racines. Même si c'est la peau qui reste au sol, on doit enlever. Alléluia. Amen. Même si c'est la peau qui reste au sol, on ne veut pas que ça reste au sol. Tout ça, on doit enlever. On doit mettre ça hors. Ça doit quitter le Cameroun. Alléluia. Amen. 182. Ma sœur Elisabeth. Enfin, Jésus a triomphé. A triomphé. Yeah.
Alléluia. Amen. Vous savez, on doit toujours respecter les règles du combat. Alléluia. Amen. Notre combat se fait en cercle. Alléluia. Amen. Ça se fait en cercle. Donc, ceux qui sont derrière, venez pas ici. On arrête les mains. Debout. Debout, soldat. Debout, soldats. Quand nous formons comme ça un cercle, c'est un bloc. Alléluia. C'est un bloc. C'est un bloc. Ça veut dire que si un bloc est uni pour envoyer la missile, ça a du poids. Alléluia. Ça a du poids. Imaginons-nous maintenant que si on est en train de porter un truc, nous sommes à un bloc, on est en train de soulever quelque chose.
Et que quelqu'un, si c'est une personne seulement qui perd l'équilibre, automatiquement, le côté là va déséquilibrer. Alléluia. Amen. Mais si on est ensemble pour envoyer, ça a du poids. Respectons toujours ceci. Alléluia. Amen. Parce que parfois, on perd la bataille, ce n'est pas parce qu'on devait perdre. C'est parce qu'on n'a pas respecté les règles du bataille. On n'a pas respecté les règles. Comment on doit batailler? Voilà pourquoi le Seigneur est toujours avec nous pour nous guider. Il est toujours avec nous pour nous dire non, tenons-nous comme ça pour batailler. Alléluia. Amen. Depuis le premier jour de la bataille, qu'on a commencé la bataille en octobre, c'est toujours en cercle. Alléluia. C'est toujours en cercle. Respectons ceci. Alléluia. Respectons cela. C'est les petits détails comme ça, quand on regarde, on dit non, c'est rien. Mais ça a quelque chose aux yeux du Seigneur. Amen. Il sait le pourquoi. Il a dit, on forme un cercle. Alléluia. Amen. Il sait le pourquoi. Il sait qu'en formant un cercle, on est un bloc. Alléluia. Amen. On est un bloc. Parce que si, ici, l'autre est derrière, l'autre est là-bas, si il s'affaiblit derrière, tu vas faire comment pour connaître? Tu ne dois pas connaître parce qu'il est derrière toi. Maintenant, si vous êtes ensemble, il s'affaiblit, automatiquement tu vas connaître. Tu vas nous soutenir que non, tiens-toi debout, on part. Alléluia. Tiens-toi debout, on part. Mais s'il est derrière, le temps que tu rentres derrière pour le prendre, toi-même tu viens de, tu vas perdre, tu peux encaisser une balle. Et pourtant s'il était à côté de toi, dès que tu vois qu'il est en train de s'affaiblir, tu le soutiens. Tu le soutiens, il est là à côté de toi. Tu ne dois pas regarder derrière. Parce que la route, c'est devant. Alléluia. La route, c'est devant. Bonsoir, soldats. Bonsoir, les batailleurs. Bonsoir, les batailleurs. Bonsoir. On est prêt pour la bataille. Amen. On est prêt pour la bataille. Amen. On part en tour au champ de bataille. Déjà. Et si on est prêt, mettons-nous à genoux. Le combat se passe à genoux. Un signe d'humilité pour dire au Seigneur Jésus que c'est toi qui batailles à notre place. Nous sommes là pour remplir juste les formalités. Tu batailles à notre place. Alléluia. Amen. Ah, merci Seigneur. On commence par nettoyer l'air du canon. Alléluia. Amen. On commence par nettoyer l'air. L'air qui circule au canon. Nous nettoyons que toute mauvaise air que l'ennemi a injecté au canon, nous nettoyons cela. Nous mettons cela hors du canon. Alléluia. Amen. Nous mettons cela hors du Cameroun. On doit respirer l'air du Seigneur Jésus au Cameroun. Amen. Alléluia. Amen. On doit respirer l'air du Seigneur Jésus au Cameroun. Nous nettoyons l'air. Toute mauvaise air qui est au Cameroun, nous mettons cela hors du Cameroun. Alléluia. Amen. Nous sommes en prière. Nous nettoyons maintenant l'air. L'air du Cameroun. Nous la nettoyons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Nous nettoyons l'air du Cameroun maintenant. Nous la nettoyons maintenant. Nous la nettoyons maintenant. Que toute mauvaise air, que toute mauvaise air qui est au Cameroun, nous la mettons hors de ta demeure. Nous la levons maintenant au Cameroun. Au nom de Jésus. Au nom
de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'air du Cameroun. Nous la nettoyons maintenant. Nous la nettoyons maintenant. Nous la nettoyons maintenant. Nous la nettoyons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Nous la nettoyons maintenant. Nous la nettoyons maintenant. Les pollués. Nous la nettoyons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Nous la nettoyons maintenant. Nous la nettoyons maintenant. Nous la nettoyons maintenant. Nous la nettoyons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Nous la nettoyons maintenant. Nettoyons maintenant. L'air du Cameroun. Nous la nettoyons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia. 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 Nous dissipons maintenant les nuages sombres sur le ciel du Cameroun. Alléluia. Nous dissipons maintenant toute nuage sombre sur le Cameroun. Nous la dissipons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute nuage sombre. Tout nuage sombre sur le Cameroun. Nous la dissipons maintenant. Nous la dissipons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Tout nuage sombre sur le Cameroun. Nous la dissipons maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Nous dissipons maintenant. Tout droit du sombre. Tout droit du sombre. Sur le Cameroun. Sur le Cameroun. Nous la dissipons maintenant. Nous la dissipons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Nous dissipons maintenant. Tout nuage sombre. Tout nuage sombre. Sur le Cameroun, sur le Cameroun, nous la dissipons maintenant. Au nom de Jésus-Christ, 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 tout le monde est sombre, tout le monde est sombre, sur le Cameroun, sur le Cameroun, sur le Cameroun. Sur le Cameroun, nous la dissipons maintenant. Nous la dissipons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Tout nuage sombre. Tout nuage sombre. Sur le Cameroun. Nous la dissipons maintenant. Nous la dissipons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sur le ciel du Cameroun. Nous dissipons maintenant. Tout nuage sombre. Tout nuage sombre. Sur le Cameroun.
sur le cabot, 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 sur le cabot. Nous dissipons maintenant, nous dissipons maintenant. Que Dieu le sauve, que Dieu le sauve, que Dieu le sauve, que Dieu le sauve. Sur le cabot, au nom de Jésus Nazareth. 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 Nous dissipons maintenant. Nous dissipons maintenant. Du nuage sombre. Du nuage sombre. Du nuage sombre. Sur le cabot. Sur le cabot. Sur le cabot. Nous dissipons maintenant. Nous dissipons maintenant. Nous dissipons maintenant. Nous dissipons maintenant. Du nuage sombre. Le nuage sombre sur le cabot, 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 au nom de Jésus de Nazareth, dissipons maintenant, dissipons maintenant, dissipons maintenant, dissipons maintenant, le nuage sombre, le nuage sombre, le nuage sombre sur le cabot. Sur le cabot, nous la dissipons maintenant. 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 Tout nuage sombre. Tout nuage sombre. Sur le cabot. Sur le cabot. Sur le cabot. Nous dissipons maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth, nous dissipons maintenant tout nuage sombre, tout nuage sombre sur le cabot, sur le cabot, sur le cabot, sur le cabot. Nous dissipons maintenant tout nuage sombre, tout nuage sombre sur le cabot, sur le cabot. Au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus. Au nom de Jésus Nazareth, 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 nous dissipons maintenant, nous dissipons maintenant tout nuage sombre, tout nuage sombre sur le cabot, sur le cabot, nous dissipons cela maintenant, nous dissipons cela maintenant, nous dissipons cela maintenant, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth. 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 Tout nuage sombre. Tout nuage sombre. Tout nuage sombre. Tout nuage sombre. Sur le Cameroun. Nous la dissipons maintenant. 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 Au nom de Jésus Nazareth. 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 Nous dissipons maintenant. Nous dissipons maintenant. Tout nuage sombre. Tout nuage sombre. Sur le cabot. 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 Au nom de Jésus Nazareth. 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 Au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, tout nuage sombre, tout nuage sombre, tout nuage sombre, tout nuage sombre, sur le Cameroun, sur le Cameroun, sur le Cameroun, nous dissipons maintenant, nous dissipons maintenant. Nous dissipons maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. 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 Au nom de
Jésus Nazareth. Nous dissipons maintenant. Nous dissipons maintenant. Nous dissipons maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. 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 Tout nuage est sombre. Tout nuage est sombre. Sur le Cameroun. Sur le Cameroun. Au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. 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 Mettons-nous debout. Mettons-nous debout, soldats. Mettons-nous debout. Alléluia. Détendez-vous un peu. Détendez-vous un peu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le psaume 11, c'est ce psaume 11, chapitre, verset 6, c'est ça donc, qu'on a lu l'autre jour. Amen. Si le frère Hervé pouvait nous lire ça. Parce qu'on doit envoyer le vent maintenant dans les réunions qui se tient au Cameroun. Psaume 11, verset 6. Alléluia. Amen. Psaume 11, verset 6, il écrit : si je donc, comme la lumière, elle ne donne pas de. Verset 6 du chapitre 11. Mm-hmm. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent violent, c'est le calice qu'ils ont en partage. Je commence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent violent, c'est le calice qu'ils ont en partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va envoyer ce vent-là dans les réunions maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Les réunions sataniques qui se tiennent pour déstabiliser le Cameroun. Alléluia. Amen. Ils vont respirer ce vent-là maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mettons-nous en position. Mettons-nous en position. Toute réunion qui se tient au Cameroun. Toute réunion satanique qui se tient au Cameroun, dans les cieux, sur la terre, nous envoyons le vent maintenant pour les disperser. Pour les disperser. Amen. Alléluia. Amen. Que respire ce vent-là maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en prière. Les enfants de la maison. Les charbons.
Au nom de Jésus-Christ,
Au nom de Jésus Nazareth. 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 Le vent brûle là. Le vent brûle là. Quel que soit le lieu de réunion. Quel que soit le lieu de réunion, nous avons le vent de la main de Dieu. Au nom de Jésus Nazareth. 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 Au nom de Jésus Nazareth, les charbons à Dan, les charbons à Dan, les charbons à Dan, les charbons à Dan. Au nom de Jésus Nazareth, 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 au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lions maintenant le prince du Cameroun, le prince des ténèbres qui règne au Cameroun. Amen. Nous le lions maintenant avec les sceptres de fer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Amen. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Toi, prince, prince de ténèbres, Dieu au Cameroun. Prince de ténèbres, du Cameroun. Nous te lions maintenant. Nous te lions maintenant. Nous t'enchaînons maintenant. Avec les sept de fer. Avec les sept de fer. Nous t'enchaînons maintenant. Nous t'enchaînons maintenant. Toi, prince de ténèbres. Toi, prince de ténèbres. Règne au Cameroun. Règne au Cameroun. Nous t'enchaînons maintenant. Nous te mettons hors de ta demeure. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Nous t'enchaînons. Avec les sept de fer. Avec les sept de fer. Nous t'enchaînons maintenant. Avec les sept de fer. Avec les sept de fer. Au nom de Jésus Nazareth. 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 Nous t'enchaînons maintenant. Nous t'enchaînons. Avec les sept de fer. 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 Au nom de Jésus Nazareth. Toi, prince, prince de ténèbres, règne sur le Cameroun. Nous t'enchaînons maintenant. Avec les sceptres de fer. Avec les sceptres de fer.
Avec les sept de fer. Avec les sept de fer. Nous te mettons hors d'état de nuit. Hors d'état de nuit. Hors d'état de nuit. Nous t'envoyons dans les abîmes d'enfer. Nous t'envoyons maintenant dans les abîmes. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Nous t'enchaînons maintenant. Nous t'enchaînons maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Nous t'enchaînons maintenant. Nous t'enchaînons maintenant. Avec les sept de fer. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Toi, prince des ténèbres, qui maintenait le Cameroun dans la captivité, dans les ténèbres. Nous t'enchaînons maintenant. Nous t'enchaînons maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Alléluia. 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 Debout soldat. Debout soldat. Debout soldat. Alléluia. Amen. Faisons un pas à droite. Un pas à droite. Arrêtons les mains, arrêtons les mains, arrêtons les mains, arrêtons les mains. Formons notre cercle. Un pas à droite. Voilà. C'est toi comme ça. Voilà, c'est bon. Voilà. Alléluia. Amen. Nous nous attaquons maintenant au trône. On doit saccager tous les trônes. Tous les trônes sataniques qui se trouvent au Cameroun. Tous les trônes, on doit saccager. On doit saccager. Alléluia. Amen. On doit envoyer le tonnerre. Tous, on a toutes les armes. On envoie toutes les armes pour saccager tous les trônes. Tous les trônes qui se trouvent sur le territoire Cameroun. On saccage cela maintenant. On saccage cela maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mettons-nous en prière. Mettons-nous en position de prière. En position de combat. Voilà. En position de combat. Amen. Alléluia. Amen. Mettons-nous en position de combat. Amen. Alléluia. Amen. On doit saccager les trônes. Nous avons toutes les armes à notre disposition. Amen. Envoyons toutes les armes, les missiles. On envoie seulement pour saccager toutes les trônes. Les trônes qui se trouvent au Cameroun. Les trônes sataniques qui se trouvent au Cameroun. Alléluia. Amen. Saccageons cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes en prière. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute zone maintenant. Sur le territoire du Cameroun. Sur le territoire du Cameroun. Nous avons le droit de la gloire. Le savon à la. Nous saccageons. Tous les trônes. Tous les trônes. Tous les trônes. Du nord. Au sud. À l'ouest et à l'est. Nous saccageons. Nous saccageons. Tous les trônes. 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 Tous les
tous les trônes au Cameroun, nous saccageons maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous saccageons maintenant, tous les trônes, nous saccageons, nous avons le tonnerre. Le tonnerre, vous saccagez le trône, quel que soit l'endroit, nous saccageons maintenant, dans les eaux, sous la terre, sous le ciel, tout trône, nous saccageons maintenant, dans les airs, les trônes, nous saccageons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous saccageons maintenant. Nous avons le tonnerre pour casser. Nous saccageons l'éclair. Nous saccageons le trône. Nous saccageons. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
de Jésus Nazareth. Au nom 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 de Jésus Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Mettons-nous debout et tendons les mains sur le Cameroun. On doit établir maintenant les trônes de justice sur le Cameroun. Alléluia. Amen. Tendons les mains sur le Cameroun. Établissons maintenant les trônes de justice. Tendons les mains sur le Cameroun. Établissons maintenant les trônes de justice. Les trônes de justice, les trônes de droiture sur le Cameroun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous étendons les mains pour faire parcourir le vent de justice au Cameroun. Amen. Que le vent de justice parcourt le Cameroun. Amen. Dans toutes les 10 régions. Amen. Qu'on respire la justice. Amen. Qu'on respire la droiture. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on respire la vérité. Amen. Au Cameroun. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tendons les mains. Que le vent de justice parcourt le Cameroun. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, Thank you.
ta famille. Que le vent de justice parte. Va pour le Cameroun. Va pour le Cameroun. Va pour le Cameroun. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de quand vous partez au champ arracher le manioc, quand vous tirez comme ça, ce qui reste au sol, on fouille le sol pour chercher s'il n'y a rien au sol. On doit fouiller comme ça. Alléluia. Amen. Même l'herbe, on ne doit pas laisser. Alléluia. Même l'herbe, on ne doit pas laisser. On doit déraciner. Jusqu'à la dernière énergie, on doit déraciner. Enlever. Même la peau qui reste au sol, on doit enlever. Alléluia. Mettons-nous en position de bataille. En position de bataille. En position de bataille. En position de bataille. Bonsoir les batailleurs. Bonsoir. Bonsoir les guerriers. Bonsoir. Bonsoir les soldats. Bonsoir. Si on est en poste, il est l'heure de déraciner là. Amen. Il est l'heure de déraciner là. Amen. On doit la déraciner. Amen. Déraciner. Amen. Déraciner. Amen. Aucune racine ne doit rester en terre. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Déracinons maintenant. Déracinons là. Nous la déracinons maintenant. Déracinons. Déracinons là. L'arbre maintenant. Nous la déracinons. Aucune racine ne reste en terre. Nous enlevons. Nous enlevons. Nous enlevons. Déracinons. Déracinons. Déracinons.
racine. Complètement. 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 Déracine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déracinant. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Déracinant maintenant. Déracinant maintenant. Déracinant maintenant. Déracinant. Déracinant. Tout arbre qui n'a pas planté le Seigneur. Tout arbre. La déracinant maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vos arrachons maintenant. Vos arrachons maintenant. Vos arrachons maintenant. Vos arrachons maintenant. Aucune racine ne reste en terre. 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 Vous enlevons maintenant. Complètement. 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 Avec toutes les racines. Avec toutes les racines. Vous enlevons. Vous enlevons. Vous enlevons. Vous enlevons. Vous enlevons. Déracinons. Déracinons. Complètement. Complètement. Nous déracinons. Aucune racine ne reste en terre. Aucune racine ne reste en terre. Aucune racine ne reste en terre. Nous déracinons maintenant. Déracinons. Nous déracinons. Aucune racine. 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 Deux racines. Deux racines. Deux racines. Au nom de Jésus Nazareth. Aucune racine ne reste à terre. Aucune racine. Aucune racine. Deux racines. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Nous déracinons. Complètement. Complètement. Aucune racine ne reste en terre. Aucune racine. Aucune racine. Nous enlevons. 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 Complètement. 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 Nous déracinons. Nous déracinons. Nous déracinons. Aucune racine ne reste en terre. Aucune racine ne reste en terre. Nous enlevons. 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 Au nom de Jésus Nazareth. 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 Nous enlevons. Nous enlevons. Nous déracinons. Nous déracinons. Complètement. 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 Nous déracinons. Nous déracinons. Nous déracinons. Nous déracinons. Aucune racine, 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 aucune racine,
Vous allez complètement. Aucune racine ne reste en terre. Aucune racine ne reste en terre. Alléluia. Amen. Toute plante qui n'a pas planté notre Père doit être déracinée. Tous les arbres d'alentour, tous les petits arbres avec les herbes, on enlève cela. On les enlève. Tous les petits arbustes qui sont aux alentours, on les enlève maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout petit arbre, tout arbre qui n'a pas planté mon Père, tout arbre qui n'a pas planté mon Père sera déraciné. Déracinons maintenant. Tout arbre qui n'a pas planté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les arbustes, nous les enlevons maintenant. Tous les petits arbustes qui n'a pas planté mon Père, vous enlevons, vous déracinons. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous déracinons maintenant. Tout arbre.
Tout table. Nous nettoyons maintenant. Nous les envoyons maintenant. Les charbons à Adam. Le vent plus là. Pour les nettoyer. Déraciner. Complètement. Au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Amen. Des beaux soldats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. N'oublions pas que ce dernier sujet de prière, il a été dit que dans nos prières à la maison, on doit toujours élever cela. Alléluia. Dans nos prières à la maison, on élève toujours cela. Pour déraciner l'arbre complètement. Alléluia. Avec les arbres à côté, on doit tout enlever. Tout enlever. Alléluia. Rien ne doit rester. Alléluia. Seul arbre que le Seigneur doit planter qui doit rester. Alléluia. Alléluia. Nous passons maintenant à la phase de l'église. Alléluia. Amen. Il y a un dernier sujet qu'on a oublié. Les gens du pays. Vous vous souvenez, il y a une vision que Ézéchiel avait dit ici qu'il a vu les immeubles partis du pays. On doit les envoyer avec un coup de tonnerre pour qu'ils partent rapidement. Amen. Alléluia. Amen. On doit les envoyer avec un coup de tonnerre pour qu'ils partent rapidement. Amen. On doit faire chasser les gens du pays. Alléluia. Amen. On doit les faire chasser. Mettons-nous en position de prière. Mettons-nous en position de bataille. En position de combat. Alléluia. Amen. Pour chasser les gens du pays. Les gens. Comme ils ont commencé à partir, partez doucement. On doit les mettre le feu. Amen. Ils partent rapidement. Amen. Ils libèrent le Cameroun. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en prière. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Les gens du pays. Vous les mettons. Les gens du pays. Nous les envoyons hors. Quitte le territoire camerounais. Que les gens quittent le territoire camerounais. Les gens. Qui quitte le territoire camerounais. 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 Nous les chassons maintenant. Nous les chassons maintenant. Nous les mettons hors du Cameroun. Hors du Cameroun. Que le tonnerre les dégage. Que le tonnerre les dégage maintenant. Les gens du pays. Que le tonnerre les dégage maintenant. Que le
tonnerre dégage maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous dégageons maintenant les gens. Les gens du pays. Les gens du pays. Les gens du Cameroun. Nous les dégageons maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous les délogeons maintenant. Nous les délogeons maintenant. Nous les délogeons maintenant. Nous les délogeons maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'on vend les balais maintenant. Que l'on vend les balais maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous dégageons les gens maintenant. Nous les dégageons maintenant. Nous les dégageons maintenant. Nous les dégageons maintenant. Nous les dégageons maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Les gens du pays. Les gens du pays. Nous les dégageons maintenant. Nous les dégageons maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Nous les envoyons le vent brûlant. Le vent brûlant. Le vent brûlant pour les dégager du pays. Pour les dégager. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Nous les enlevons. Nous les chassons. Les gens du pays. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous les dégageons. Nous les dégageons. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Majesté Jésus. Alléluia. Majesté Seigneur. Amen. Nous allons maintenant élever la prière pour l'unité. Dans l'église, dans le monde entier. Amen. Comme nous avons vu dans l'église primitive, ils étaient un. Un seul cœur, une seule âme, une seule pensée. Un seul esprit régnait dans leur cœur. Et ils pouvaient vivre, ils avaient tout en commun. Amen. Prions que le Seigneur donne à son église d'être un. Amour. Et que toute division disparaisse des cœurs des enfants de l'église. Du corps de Christ répandu dans le monde entier. Parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont du Seigneur, qui sont de la dénomination. Et le Seigneur les connaît. Amen. Nous devons être un seul esprit, une seule âme, une seule pensée. Prions que le Seigneur fasse que l'unité demeure dans l'église. Prions. Merci. Dans le cœur de tes fils, répandu partout dans le monde entier, un seul esprit, une seule âme, une même pensée, un amour pour rien. Ô Seigneur, il n'y a pas de division. Unité, unité de cœur, unité de pensée. Ô Père, en bas de l'église primitive, nous t'en supplions, Seigneur. Le fait de cette unité, l'union des croyants dans le monde entier, Père. L'union des croyants dans le monde entier. L'union des croyants dans le monde entier. Donne-nous d'être un. 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 Ô Père. Ô Père. Nous désirons, Père, que tu répands l'unité dans nos cœurs. Dans nos cœurs, un seul esprit, une même pensée, une même pensée. Ô Père, unité dans le cœur, unité, il n'y
des points de division, Père. Oh Seigneur, oh Père, il y a ton église dans le monde entier. Que ton église soit unie, Père. Que ton église soit unie. Un seul cœur, une même pensée, un seul esprit, Père. Oh Père, il y a point de division. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, que le cœur soit là, que le cœur soit uni, que nos pensées soient unies, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, point de division, point de division, point de division, point de division, Père. Point de division, Père. Point de division. Oh Seigneur. Oh Père. Que l'église soit en accord. Un même langage. Un même langage. Une même pensée. Oh Père. Que le corps de Christ soit uni. Que l'église est répandue dans le monde entier. Soit uni. Une seule âme, une seule pensée. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Père. Que nous soyons encore l'église primitive, Père. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, Père. Oh Seigneur. L'amour véritable dans le cœur, plus de division, unité, unité, point d'égoïsme, Père, point de division, unité, 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 l'amour véritable, oh Seigneur, dans le cœur. Dans ton église, l'amour répandu dans le cœur, que nous soyons un, une même pensée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'unité d'esprit, une même pensée, dans le même pensée, dans le même monde, dans le monde entier. L'unité dans l'église, l'unité dans l'église, l'unité dans l'église, l'unité dans l'église, parmi tes enfants, parmi tes fils et tes filles, parmi ton peuple, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'unité d'esprit, l'unité d'esprit, Père, oh Seigneur, que nous puissions vivre ensemble tout en commun. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, l'unité, nous désirons l'unité, nous désirons l'unité, nous désirons l'unité, un seul esprit, l'unité, que l'unité traverse nos cœurs, que l'unité dans nos cœurs, se répand dans nos cœurs, les liens d'humanité d'unité, oh Seigneur. Oh Seigneur, l'unité, les cordages d'amour, l'unité, les cordages d'amour, l'unité dans les cordages d'amour, dans l'église du monde entier, les cordages d'amour, dans les cordages d'amour, l'amour dans les cœurs. Alléluia. Amen. Levons-nous un peu, bien-aimés. Soyez fortifiés, soyez abondamment fortifiés. Soldats, batailleurs, batailleurs du Seigneur. Soyez abondamment fortifiés. Si tu es fier de ce que tu fais, que ce soit applaudi pour toi-même. Alléluia. Amen. C'est toujours un honneur, un privilège de combattre à vos côtés. Amen. Notre Seigneur a dit qu'il faut que ce monde soit deux, non? Que là, deux, trois sont réunis. Mais moi, je vois qu'il y a plein de mes frères ici, là. Amen. Ça veut dire que cela nous tient tous à cœur. Amen. 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 Dans la Bible,
dans le livre de Révélation, chapitre 12, verset 10, la Bible déclare que là-bas, que le voilà précipité. Amen. L'accusateur de vos frères. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui accuse les frères nuit et jour. Il n'a pas de répit. Amen. Il ne se lasse pas de nous accuser. Amen. D'accord, frère bien-aimé? Amen. On ne va pas les laisser. Amen. On va te donner, Amen. On va lui envoyer ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la République maintenant pour prier pour l'église. D'accord, mes frères bien-aimés? Et rappelle-toi simplement que, comme les frères l'ont déjà si bien rappelé, et le rappellent chaque fois, nous combattons dans la victoire. Amen. Donc, pendant que nous venons ici à Jacomala pour combattre, nous avons déjà vaincu. Amen. Donc, même la façon d'arriver, c'est parce que je m'en vais célébrer en fait la victoire. Amen. Donc nous venons simplement pour célébrer la victoire. Amen. 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 On nous a dit 21 jours en respectant l'instruction de prière. Mm. Pendant ces 21 jours, là, bien-aimés, nous entrons en possession. Amen. Le pays est pour nous. Amen. Il nous a donné le pouvoir, il a dit, de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Nous avons donc le droit de prier chaque soir et de crier. Amen. On n'a peur de rien du tout. Amen. La victoire est dans notre camp. Amen. Notre Seigneur a dépouillé les dominations. Amen. S'ils existent au Cameroun, il les a dépouillés. Amen. Les autorités, Amen. S'ils existaient ici, là, il les a dépouillés. Amen. Les principautés, Amen. Il les a dépouillés. Amen. Les esprits méchants, ils sont dépouillés. Amen. Et puis, il les a livrés publiquement à un spectacle. Chrétien. Amen. Quelle joie d'être chrétien. Amen. Et servir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est bizarre. Les gens qui vont combattre ayant déjà gagné. Amen. On appelle ça comment? C'est Jésus-Christ qui a acquis la victoire à la croix. Amen. Nous entrons seulement dans la victoire. La puissance qui habitait en lui, la Bible dit qu'il est mort, il est ressuscité, bien aimé. Il a donné ça pour chef suprême à l'église. Il est son corps. Il a donné à l'église. Il a donné à l'église. Il a donné. Il a donné à l'église. 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 La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. C'est pas fini, bien-aimé. Après, il a tout mis sous ses pieds. Amen. Attendons. Alléluia. Amen. Il a mis tout sous ses pieds. Il a mis le gars que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Amen. Christ est le chef, il est la tête. Nous sommes le corps. Amen. Donc, s'il a mis tout sous ses pieds, ça veut dire qu'il a mis tout sous nos pieds. Alléluia. Alléluia. Une autre parole. Oui. Qu'il a permis que les puissants et les autorités sachent au oui. travers de l'église, la puissance est venue en parole. Amen. C'est merveilleux que les amen. Chaque fois que je viens combattre à 18h, ma Seigneur, fait que j'arrive vite. Parce que c'est moi célébrer la victoire. Amen. Et bien de mai, je suis content que nous soyons là tous parce que il a dit dans les Ézéchiel que passe dans la ville. Il y a un type de personnes qui prient. Ce type de personnes, ils ne prient pas pour eux-mêmes. Ils ne prient pas pour leurs besoins.
ils ne prient pas pour le mariage, quoi que ce soit. Amen. Ils soupirent. Dans leur question, le soupir, c'est les gémissements. Amen. Amen. Ils soupirent et ils crient après les abominations qui se passent. Et Dieu a dit à l'ange, non, sur leur forme, mets une marque. Mets un sceau. Alléluia. Amen. Un sceau sur leur forme. Amen. Amen, Amen, bien-aimé. Peut-on prier alors maintenant pour l'église? Amen. Ah, que le Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez abondamment fortifiés. Amen. Batailleurs. Amen. Guerriers. Amen. Choisis du Seigneur. Amen. Les batailleurs choisis du Seigneur. Amen. C'est un privilège. Amen. D'être à l'avant-garde. Amen. D'être à l'avant-garde. Amen. Que les enfants restent derrière. Amen. Nous sommes devant. Amen. Pour confronter. Amen. Les puissances ennemies. Amen. Rien ne peut me nuire. Amen. Rien ne peut me nuire. Alléluia! Amen. Prenez position, bien-aimé, prenez les positions. Alléluia! Amen. Prions, bien-aimé. On va commencer d'abord par dénoncer les œuvres des ténèbres qui sont en activité également dans l'église. Amen. 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 Prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous dénonçons tout le Père au nom de Jésus. Toute œuvre des ténèbres, tout le Père dans ton église, Seigneur, toi. Toute œuvre des ténèbres, toute œuvre des ténèbres dans l'église, Seigneur. Au Cameroun, Seigneur, dans les régions du Cameroun, Seigneur, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, Seigneur, dans les églises du monde entier, au Dieu de toi. Toute activité des ténèbres, Seigneur, nous dénonçons. Nous dénonçons. Nous dénonçons. Toute œuvre des ténèbres dans ton église, Seigneur Dieu de gloire. L'église du Cameroun, Seigneur Dieu de gloire. L'église ici et d'ailleurs, nous dénonçons. Nous dénonçons. Nous dénonçons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute cette œuvre qui est au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Amen. On va prier maintenant, bien aimé, que le vent du Saint-Esprit souffle. Amen. Et extirpe, déracine, arrache, abatte, détruise, saccage. Nous sommes ensemble. Amen. Saccage tout fondement, fondation, iniquité dans l'église. Amen. Nous sommes en prière, bien-aimés, prie. Ah, nous prions que ton vent souffle. Déracine et arrache. Déracine et arrache. Abatte, détruise, saccage tout fondement d'iniquité dans l'église, Seigneur. Les fondements d'iniquité. Les fondements d'iniquité. Les fondements d'iniquité. Dans ton église, que ce soit arraché au nom de Jésus. Arraché au nom de Jésus. À la chambre de Jésus, à la chambre de Jésus, il faut que ce soit la nation, dans l'église, que ton vent souffle et arrache, 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 que ton vent Aide des racines. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Amen. Amen. Que seuls les fondements placés par les apôtres et les prophètes subsistent dans l'église maintenant. Amen. C'est Platon, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que seuls les fondements des apôtres et des prophètes subsistent dans ton église, Seigneur. Que les fondements apostoliques. Apostoliques, Seigneur. Subsiste, Seigneur. Subsiste, Seigneur. Subsiste, Seigneur. Dans ton église. Oh Dieu de gloire. Les fondements apostoliques. Les fondements apostoliques. Que seul et subsiste dans le Père. Dans ton église, Dieu de gloire. En toutes choses, Père du bon sang. Dans l'enseignement. Dans la prière. Dans la communion. Les fondements apostoliques. Je te supplie, Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit souffle le vent de sainteté dans l'église. Amen. De la crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Souffle le vent de sainteté. De la crainte de l'Éternel dans le cœur. Dans les cœurs, Seigneur. Souffle le vent de sainteté. De sainteté. De sainteté. De sainteté. De sainteté. De sainte doctrine, Seigneur Dieu de gloire. Oui, de la crainte du Seigneur. La crainte de l'Éternel, Seigneur. Souffle, souffle, Seigneur de Dieu. Insiste, c'est fondement dans le cœur. Dans le cœur de l'Église, dans le cœur des croyants au Dieu de gloire. La sainteté, la crainte du Seigneur. Et fondement de piété au Dieu de gloire. Souffle dans ton Église. Au nom de Jésus, la sainteté dans le corps, 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 la sainteté, la crainte de l'Éternel, la crainte du Seigneur Jésus, la crainte dans le corps. Souffle ton vent de crainte, Seigneur. La crainte qu'on a pour toi, Seigneur. La crainte qui t'écrit, Seigneur, pour toi. La crainte qui t'écrit, Saint-Esprit. Souffle dans mon cœur. La crainte qui t'écrit. La crainte qui t'écrit. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Souffle dans le cœur des croyants. Souffle cette crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La sainteté, le vent de sainteté, le vent de sainteté, le vent de sainteté, un vent de sainteté dans ton église, Seigneur, un vent de sainteté, un vent de sainteté, ta crainte dans le cœur, inscris ta crainte dans le cœur, à l'aide d'or, la crainte de Père dans le cœur des hommes et des femmes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, fais-le, Saint-Esprit, fais-le, Saint-Esprit, fais-le, la crainte, inspire la piété dans le cœur. La piété dans le cœur. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Nous supplions, Seigneur, nous disons. Enseigne-nous la crainte, Seigneur. Enseigne-nous la crainte, Seigneur. Dans les cœurs, les croyants. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va prier encore, bien-aimé. Batailleur. Guerrier. Le vent du Saint-Esprit souffle encore. Et déracine toute plante
D'accord, frère bien-aimé? Les animosités, les amertumes, les jalousies, la haute estime de soi-même, le manque de pardon, que le Saint-Esprit souffle dans les cœurs des croyants et extirpe toutes ces plantes qu'il n'a pas semées dans les cœurs. Nous sommes en prière, bien-aimés. Autant de paix. Souffle dans ton église. Souffle dans ton église de Saint-Esprit de Dieu. Et extirpe dans nos cœurs l'esprit de vengeance, l'esprit de rébellion, l'esprit de concurrence, la haute estime, l'orgueil, la manipulation, la duperie. Souffle Seigneur. Et exprime toute femme que tu n'as pas encore dans le cœur. Cet esprit souffle cet esprit. Exprime et arrête tout ce qui ne vient pas de toi. Toutes ces graisses que tu n'as pas plantées dans nos cœurs. Souffle et exprime. La jalousie, le mensonge, la rébellion, le manque de pardon, la haute estime de soi-même. Souffle cet esprit, dans le cœur des croyants, dans ton église, tu veux une église sans tache ni ride, ni rien de semblable, une église sainte, irrépréhensible. Vive cet esprit de Dieu, souffle, déracine, arrache toute semence qui ne vient pas de toi, toute semence d'animosité dans le cœur, arrache toute semence d'animosité dans le cœur, arrache d'impudicité, arrache dans le cœur, souffle cet esprit de Dieu. Merci Seigneur de toi. Alléluia. Voyons que le vent du Saint-Esprit balaie toute incrédulité dans les cœurs. Oui, au nom du Seigneur Jésus. Balaie l'incrédulité dans les cœurs. Les cœurs incrédules. À cette fin de temps, Saint-Esprit de Dieu. Souffle et balaie. Tout esprit d'incrédulité. Toute incrédulité dans nos cœurs. Balaie. Dans ton église, dans le cœur des croyants et des croyantes. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Toute incrédulité dans les cœurs. Toute incrédulité fait dans les cœurs. Tout ce qui empêche que les cœurs se tournent à toi. Tout ce qui empêche que les cœurs soient convertis à l'évangile. Père, souffle et balaie. Exprime toute incrédulité. Toute incrédulité. Dans ton église, parmi ton peuple. Au nom de Alléluia. Amen. On va prier maintenant que le Saint-Esprit souffle encore. Et que son souffle traverse les villes et les villages du Cameroun. Amen. Pour attendre, pour atteindre tous ceux qui sont aux confins et qui espèrent en l'Éternel, qui espèrent en Dieu, qui espèrent en Jésus-Christ. Amen. Prions, frères bien-aimés, que le souffle du Saint-Esprit se répande dans tous les confins du Cameroun. Amen. Et embrasse les cœurs. Prie. Père, que ton souffle parcourt le Cameroun. Que ton souffle parcourt le Cameroun. Oui, atteins les villages. Atteins les villes. Atteins les confins. Atteins les profondeurs. Oui, Seigneur de tout-puissant. Là où ton nom est invoqué. Père, que ton souffle atteigne les endroits les plus reculés. Reculez du Cameroun, que ton souffle balaie les confins de la terre, les confins du monde entier, que le souffle du Saint-Esprit balaie et atteigne les
cœurs, les cœurs qui s'attendent au Seigneur, les cœurs qui sont pour le Seigneur. Oui, souffle cet esprit de Dieu. Envahis le Cameroun. Envahis le Cameroun. Envahis le Cameroun. Envahis le Cameroun. Les églises du Cameroun. Envahis, Seigneur Dieu de gloire. Les églises locales. Envahis, Père Tout-Puissant. Dans les dénominations. Envahis. Par ton souffle puissant. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Rassemble tes ennemis. Rassemble tes ennemis. Que ton souffle rassemble tes ennemis. Regarde quoi du Cameroun. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Que ton souffle rassemble les élus. Regarde quoi du Cameroun. Souffle, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible déclare que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. On va prier cette fois-ci, bien-aimés soldats, que le souffle du Saint-Esprit vienne enlever tout voile. Tout voile sur la face de ceux qui espèrent encore en lui. Prie avec moi au nom du Seigneur. Père, que ton souffle vienne enlever le voile. Le voile, Seigneur. Le voile dans le cœur. Le voile dans le cœur. Père, que ton souffle puissant. Ton souffle puissant. Ton souffle puissant. Porte les voiles dans le cœur. Porte les voiles dans le cœur. On les voit 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 dans le cœur. Père ton souffle. Père ton souffle. Déchire tout voile. 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 Sur le cœur. Les voiles d'incrédulité. Déchirez, 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 déchirez. Les voiles de fer sur ton peuple qui t'est acquis. Oh tout voile. Oh tout voile. Oh tout voile. Sur ton peuple que tu t'es choisi, Seigneur. Oh ces voiles. Oh ces voiles. Tous ceux qui sont à toi. Tous ceux que tu t'es acquis. Père, ôte les voiles dans les cœurs. Ôte les voiles sur les cœurs. Que le souffle du Tout-Puissant déchire les voiles. Alléluia. Amen. Amen. On va prier cette fois-ci, bien-aimé, pour la restauration des dons spirituels. Amen. Amen, bien-aimé. Nous sommes à la riche. Nous aspirons aux dons spirituels. Donc, en même temps, c'est pour nous également. D'accord, frère bien-aimé? On prie pour les dons spirituels dans l'église. La restauration des dons spirituels. Tel que le Seigneur le veut, d'accord? La Bible, il dispatche, il donne à chacun comme il le veut. Prions au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Prions. Père, nous prions pour la restauration des dons spirituels dans ton église. Père, la restauration des dons spirituels. La restauration des dons spirituels. Une église sans dons, une église morte. Une église exposée à la merci de l'ennemi. Père, nous prions pour la restauration, l'équipement des dons spirituels dans l'église, Seigneur Dieu de gloire. Père, répare les dons. Répare les dons. Répare les dons. Comme tu l'as voulu dans ton église. Dans ton église, Seigneur. Une église, Père, qui dispose des dons spirituels. De tous les dons spirituels. Qui ne manquent pas les dons spirituels. Une église riche en dons spirituels. Riche en dons spirituels. Seigneur.
Seigneur, restaure les dons spirituels dans ton église. Dans ton église, le corps de Christ, le corps de Christ, répare les dons spirituels, Seigneur, en abondance, en abondance, en abondance, en abondance, en abondance, Seigneur. Répare, 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 répare les dons spirituels. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est à cause du manque de dons spirituels, à cause du manque de manifestation des dons spirituels authentiques, que beaucoup de nos compagnons d'œuvre, les pasteurs qui sont dehors et prophètes là, sont allés embrasser le sein de Jézabel, vont au bord des mers pour nouer des alliances avec la reine des eaux, vont au Bénin et partout prendre des savons et des talismans. Pourquoi? Parce qu'ils veulent produire des miracles. Ils veulent discerner. Ils veulent prophétiser. Alors que Dieu, notre Dieu, il donne cela à tout simplement à qui ne lui demande. Amen. Alléluia. Amen. Une église sans don, sans puissance. Et une église exposée à l'ennemi. Amen. Notre Dieu a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ensuite, vous serez mes témoins. C'est légitime, c'est de sa volonté que nous prions de voir les dons se manifester dans son église. C'est son église à lui. Alléluia. Prions encore, bien-aimés, que le Saint-Esprit, que nous voulons voir la puissance se manifester dans l'église. Amen, frère. C'est pour la gloire du Seigneur, non? La puissance se manifester. Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, se manifester au travers de toi, de moi, de tout cela qu'il appellera encore de ces grands nombres. Prions, 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 bien-aimés. Une église revêtue de puissance. Père, que ton vent, le vent de puissance souffle sur ton peuple. Le vent de puissance, le vent de puissance sur ton peuple. Sois revêtu, revêtu de puissance. Revêtu de puissance, 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 une église puissante, puissante dans le monde, revêtu, Saint-Esprit de Dieu, cette église puissante, glorieuse, puissante et glorieuse.
Seigneur. La puissance de l'église, Seigneur. Les frères bénissent. C'est la puissance. La puissance est en haut. La puissance est en haut. La puissance du Saint-Esprit. Réveille ton église. Réveille ton église. Réveille ton église. Réveille ton église. C'est la puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Une église puissante, Seigneur. Une église puissante. Puissante.
puissante, rappelez de force, puissance, une église puissante, une église puissante, une église puissante. La puissance, la puissance, Alléluia. Amen. Et nous disons merci au Seigneur pour l'église remplie de puissance. Merci Seigneur. Merci puissance. La puissance.
Marcher dans la puissance. Marcher dans la puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci au Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, lorsque combattants et bataillons, lorsque nous allons prier pour le revêtement des dons spirituels et des puissances, bien-aimés, ne prenons pas ça à la légère. Amen. Sinon, on fait quoi? C'est ça. Là-bas dehors, c'est la confrontation ne sera pas ce qui est écrit. Ce sera qu'est-ce que tu amènes Jésus sur la scène. Amen. C'est ça qui s'attend. Cette église est glorieuse là. Glorieuse par le Saint-Esprit qui agit en son sein. C'est la puissance. C'est la puissance. Ils ont prié. Permets que, en étant nous meurs, qu'il se passe par toi des miracles et des prodiges. L'église ne parle que de puissance. Elle ne parle que de puissance. Elle ne vit que par la puissance. Elle est réussie par la puissance. C'est le prénom de l'église. Une église puissante, une église glorieuse. Triomphante de vous, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Applaudis pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et qu'il nous fortifie. Amen. Rentrons dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Et que cette victoire nous incarne. Et que nous marchons toujours dans la victoire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.